les racisés, mon basket mobisé. Qui quand il est soupé, à mobile soupir. Moi qui j'avais pensé pour bientôt l'avenir. Et souvent sous d'autres, j'avais bien les contrées. Grâce à toi, mobile reste tout en famille. Chaleur, c'est pour faire toi plaisir. Et si depuis avant, me dit que ton intention. Aussi à mon tien, fini prend précaution. La vie a dit, il n'a pas facile. Fais bien attention avant ou prendre décision. Préférable qu'il reste célibataire. Comme ça tous les temps, on va vivre dans la joie. La vie a dit, il n'a pas facile. Fais bien attention avant ou prendre décision. Préférable qu'il reste célibataire. Comme ça tous les temps, on va vivre dans la joie. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Gloire d'Antan à Zodi. Alors oui, Zodi nous promène tout à la rencontre d'un artiste très spécial, un grand ségatier, hein, 40 ans de carrière cette année. Et monsieur, si vous dites, mon compte en planté. Ah oui, mon compte en planté. Eh bien oui, c'est monsieur Marcelino Sato. Suivez-moi. Bonsoir, Marcelino Sato. Oui, bonsoir Nikita, bonsoir tous les gens qui nous regardent. Alors, ça fait moi plaisir, vous venez que tous aujourd'hui un grand monsieur, un grand sécatier mauricien. Alors là, pour nous faire un petit retour, nous faire un mauricien, rappeler un peu parcours Marcelino, qui raconte nous ce début dans la musique, comment tu commençais? Ben au fait, cette année qui vient, l'année 2020, il fait 40 ans qu'il y a. 40 ans qu'il y a dans la musique, et on en a plusieurs étapes. De la vie musicale et monte toujours faire mon maximum pour faire mauricien danser même réunionnais et ben les autres pays avoisinants. Donc pour moi mon capable de dire moi un contrat bien rempli. Et Marcelino, tu commences à faire la musique à quel âge? Ah ben la musique moi commencé à l'âge de 12 ans. 12 ans me rappelle quand moi à l'époque quand moi arrête l'école, c'est-à-dire tu es dans l'examen 6e. Et après, en 1968, c'est là qu'il m'arrête l'école en même temps. Et ce jour-là, je me rappelle, dans l'école, Tiena, ben professeur, puis dit Marcelino, essaye santé. Et là, une centaine de ces gars qui fait beaucoup de monde plaisir. Hein? Et ces gars-là, ils marquent moi dans mon avis, parce que moi, j'ai deux professeurs, un professeur académique, bien sûr. Avec un professeur de la musique aussi, le professeur Sega, en la personne de Serge Debras. C'est lui qui me demande un coup de pouce extraordinaire pour ma récolte poétique aujourd'hui. Là. À nous que sa première composition, vous raconte-nous là, nous trouvons que ça remonte en 1980 où tu écris La vie n'est pas facile. Qui fait La vie n'est pas facile? C'est un mot cela qui raconte. Au fait, j'ai une déception d'amour. C'est assez grave. Et je me suis renfermé moi, moi-même. Et après, me dire comme ça, bon, que puisqu'il ne peut pas réussir dans l'amour, ce n'est pas grave. Mais c'est moi, ça parcours qui nous vit entre moi et la fille. Alors, je me décris ça, je me décris un texte là, juste pour informer les autres qui viennent par derrière, faire bien attention avant de prendre décision. Il est préférable d'être célibataire, comme ça, tout le temps dans la vie. Je vais vivre dans la joie. Les malgré tout ce parent pour nous mettre la raison. Ce ban parent, c'est moi qui n'a pas bon. Alors, moi j'ai dit d'accord qui nous sépare. C'est ma attention, puis que tout sens se dit. Au vide d'un mot, la case, moi assise. Au sentiment, chagrin, moi découragé. Au penser qui jamais moi pourrait ici. Répète à moi, prends la vie comme à divine. La vie a dit, il n'a pas facile. Fais bien attention avant ou prendre décision. Il préférable qu'il reste célibataire. Comme ça, tous les temps, on va pas vivre dans la joie. 40 ans qu'on y est, on en a marié beaucoup de tubes. Hein. On compose La vie n'est pas facile, on compose Contemplanté, Morceau Coco. Mais moi, tu as envie de connaître, je pense, les téléspectateurs, si tu as envie de connaître, quelle source d'inspiration, moi, c'est une source où tu écrire tout ce même texte pendant toute cette année-là? Bon, les sources d'inspiration, c'est plus la vie de tous les jours. Moi,
un certain moment, on sent l'amour. Et quand on trouve que l'amour les rend trop triste, on retourne vers les faits divers, on retourne vers les choses vécues et aussi un petit peu dans l'environnement aussi. Donc, c'est ce qui fait que on touche un peu de tout, en particulier de la vie. Qui est une influence musicale qui vous gagne dans la vie? Hein? Qui est un artiste qui n'inspire vous? Il y a des artistes qui vraiment m'ont adoré. Enfin, moi, encore d'autres. D'abord, c'est Roger Augustin. C'est le papa Jean-Claude Gaspard. Moi, je écoute lui souvent, bien souvent, parce qu'il est un démon assez spécial. Donc, ce qu'il peut faire, c'est faire à l'époque-là, ça s'appelle Wena Toupé, Pique-nique jamais fini. C'est tellement l'arrangement musical exemplaire, extraordinaire, pour dire. Et moi, je suis un peu ça dans sa tendance-là. Mais arrivé à un certain moment, mon retournement avec un autre chanteur qui vraiment m'a choisi lui comme un maître pour moi. Quoi. C'est Jean-Claude Gaspard. Jean-Claude Gaspard lit sur un texte bien enjolivé. Il a beaucoup de racontements d'histoires comiques. Il fait du monde content, il fait du monde plaisir. Est-ce qu'il dans sa 40 ans quand il est là, oui. Il nous est arrivé, qui comment dire, moi, c'est une certaine, il a envie sans heure musicale, envie d'essayer de faire le style. À pote, ces gars. Non. D'ailleurs, moi, pour permettre moi-même, aventurement dans un autre style de musique. Parce que pour moi, ces gars, c'est. Pour moi, ces gars, c'est. Comment dire? C'est sacré. Ces gars, c'est sacré. Regarde bien. Quand nous parlons d'un mariage, d'un bal, d'un fiançaille, peu importe, si bien ces gars, pas boubou. Donc, c'est ces gars qui est la source d'inspiration qui. Tout Mauricien est content, ces gars. Voilà, moi, je vais essayer aventurement. Bon, malgré qu'il y ait dans les autres tendances musicales comme Ségué, comme Malogué, tout ça, et chacun prend son chemin, mais moi, je reste dans ces gars. Et là, la marche l'ossimé, tous les jours, qui casse pour des guerres. Il n'a pas imaginé, hier au soir, nous disons ça. Qui fait tout faire salé, il a tout fait à moi, misère. Léana, quitte-moi y aller, quitte-moi tout ce gars, la misère noire. Allez-y à ma bouche-moli, beau bouche-moli-zier. Bon, j'ai dit trap-bobo, blé. Bon, j'ai dit tiens-so-cal, pas. A débit longtemps. Bon, tiens-envie, rentre de madame là. Bon, trap-so-sou-lié. Bon, tiens-envie, rentre de madame là. Votre absolue, dès là la rentre dans la case, pièce la race, grâce pour ma gaz. En tout ce qu'elle a valé, il a la bouillale, mais dans gaz. Qui fait tout faire salé, il a la tout faire moi misère. Et elle a quitte-moi y aller, quitte-moi tout seul en plein hiver. Allez-y à ma bouche folie, j'ai. Bon, j'ai dit tiens chocal, pas. Dis à ma bouche folie, j'ai. Tiens chocal, pas chauffé, pas. Wouhou! Et toi? Et à ce jour, combien d'albums moi aussi nous attendons? Ah, ben, album, là, pour l'instant, il y en a à peu près une vingtaine d'albums. Et après, on a un 45 tours, un 33 tours. Et un petit cassette longtemps, moi, j'ai mis à peu près 5. Et donc, c'est-à-dire, mon tout simple, tout mon support. Et mon vécu, mon vie, ça, du passage de 33 tours à 45 tours, petit cassette avec maintenant il arrive CD. Voilà, mon vécu, tout ça. Oui, il y a des enfants qui sont et qui aussi dans la musique. Oui. Alors, comment ça se passe au niveau de la famille, la transmission culture, comment dire, faire la musique là? Aussi, il y a un vieux qui m'a des enfants, suivent les mêmes chemins que moi. Bon Dieu, nous avons la chance, il y en a deux filles, Mélodie et Symphonie. Les deux, ils sont dans la musique. Mélodie, elle a son album. Symphonie, il fait un petit peu de cœur de temps en temps et occupe l'administratif. Après, on a aussi deux garçons. Les garçons, c'est Abel qui fait la batterie et après, on a Emmanuel qui fait clavier. Donc, c'est-à-dire, même si nous sommes dans la tristesse, des fois, avec cette famille qui nous tient là, de la case, nous avons fait un gros dalsa. Ou parmi un malotiste mauricien, un ségati mauricien, un ancien, qui a l'occasion de faire l'honneur Maurice, prend culture Maurice, amène beaucoup à l'étranger, une voyage beaucoup. Oui. Hein? Mais qui s'est représenté pour vous? En tant qu'un du monde qui a l'occasion de transmettre culture mauricienne à un étranger. D'ailleurs, quand nous allons à l'extérieur, c'est-à-dire quand nous allons en métropole, en Belgique, quoi, là-bas, nous, c'est un ambassadeur du SEGA mauricien.
Nous avons un accueil vraiment extraordinaire là-bas. Il y a une considération du public énorme. Et ce que je donne une place, c'est pour te dire que, par exemple, si ma santé en France, vous avez un amoureux du corps qui vient, ça. Vous avez un logement payé, logé, nourri, blanchi. Et après, nous produisons dans le festival. Et là, c'est que tu as senti la chaleur humaine dans ton cœur. C'est capable d'avoir une vie à toi, je viens de causer de toi. Je viens partager ce que je tiens avec toi. Et moi, c'est Innocento. Ou qu'un grand chanteur, il a 40 ans en école. Est-ce que tu peux croire ou tu peux imaginer ou qu'il commence à l'âge de 12 ans qu'il ose dire ou qu'il est un chanteur aussi populaire? Mais d'abord, moi, j'ai une vision des choses. Une vision, parce que moi, je l'ai fait au niveau, un niveau professionnel. C'est-à-dire, ce niveau professionnel-là, ici, c'est plus difficile pour moi, pas tant ça. Mais après, moi, j'ai une autre destination que je peux vivre maintenant. Et sa destination là, c'est l'île de la Réunion. Et là-bas, mon sentiment plus professionnel, parce que je reste en contact permanent avec la musique, c'est ça. Dans le week-end, que ce soit dans les fêtes foraines, dans tout ça. Mais moi, ce qui me souhaitait, c'est que même de temps en temps, faire un petit spectacle pour faire le public connaître que Barcelino encore existe. Voilà. Et est-ce qu'il est facile ou difficile évoluer musicalement la Réunion avec Séga Mauricien? Non, il n'est pas aussi difficile. Lui. Mais c'est une question de chance et après une question de perfection. Il faut perfectionner parce que la Réunion est un organisateur de fêtes qui aimait tout ça. De choisir le bon monde pour se prendre. Pas prendre n'importe qui. Donc c'est vrai. Et après, pour maintenant, dès nos jours, avec l'évolution de la musique comme Raga Dansol, comme les autres styles de musique, ça peut venir un peu plus difficile. Pour ces gars, après, il y a un passage. Et il n'est pas aussi facile là. Et c'est ce qui est bizarre. Il faut trouver un autre moyen. Et il y a les autres moyens qu'il faut faire pour qu'ils maintiennent les gars. Il ne faut pas qu'ils nous baissent les bras, nous disent comme ça. Et bon, maintenant qu'il y a un raga dans le sol, il y a ceci, il y a cela. Parce que, du monde qui a fait un concert, des fois, il fait un concert à ces gars, il n'a pas gagné autant de monde. Mais quand je fais un style raga, c'est rempli. Donc, c'est de l'évolution. Depuis l'avant, avec un nouvel style de musique, et quand nous décourager, c'est là que ces gars disparaissent. Mais pour moi, ces gars, pas pour moi. La vie célibataire, pas si content pour passer la misère. La vie motive à mener mon bien fier. Nous profitons mon jeunesse pour la terre. Amsel qui est intéressé avec moi. Si y a tous ces dix contents dans ses gars, n'importe qui jour, n'importe qui moment, nous disposer pour accueillir chez moi. Si vous désirez avoir moi, mamselle, si vous désirez trouver moi, mamselle, si vous désirez pouvoir moi, parce que mes volcans vont tout. Mamselle, si vous désirez avoir moi, mamselle, si vous désirez trouver moi, mamselle, si vous désirez pouvoir moi, parce que mes volcans vont tout. Désir à voir moi, mamselle, si moi désir à trouver moi, mamselle, si moi désir à pouvoir moi, parce que mes volcans voient tout, mamselle, si moi désir à voir moi, mamselle, si moi désir à trouver moi, mamselle, si moi désir à pouvoir moi, parce que mes volcans voient tout.
que cause gloire d'antan, oui, peut-être, mais mon pétendé qui, Marcelino, on le comprend, ou toujours actif musicalement, en coin de santé, qui a coupé à la scène. Oui. Alors, qui va projet, est-ce qu'il y a un album, Pévini, est-ce qu'il y a un album fake sauté, qui projet Marcelino Zato? Non, mais d'ailleurs, c'est un directeur qui passe ensemble, ça. C'est-à-dire quand nous faisons un album, normalement, nous faisons produire, d'abord dans le commerce, et après, nous faisons attendre qu'il y ait une réponse positive. Pour capable, il y a des trois contrats au moins. Parce que si dans un an, tu gagnes 4-5 contrats par an, donc c'est-à-dire que tu es encore là. Mais moi, je vais gagner parce que je connais n'importe quand, quand Marie La Réunion, je connais le téléphone pas arrêté sonner. Et je continue mon ami dans ce sens-là. Et je suis capable de dire aussi que je gagne un coup de main beaucoup, je gagne beaucoup de soutien. Pas de musicien, soutien d'un artiste, surtout. Je te donne respect pour Marcelino. Moi, considéré comme un chanteur, parce que c'est le dernier de la génération qui vit encore dans l'océan Indien à La Réunion, c'est moi. Donc, nous avons un camarade Jean-Claude Aspar, Claudio Veragou, Féroze Clancier, Michel Legris, tout ça. Ben là, bon, je suis fait à l'époque, mais maintenant, ce qu'il vient faire, c'est qu'il maintenir les flambeaux. Et est-ce qu'il y a un projet album à venir? Non. Je te dis que l'album, le dernier album, mon père s'appelle Faut se marmer. Il sortit Maurice, mais il sortit plus La Réunion que Maurice. Donc, ici, avec Samane L'Évolution qui peut faire un tas piratage, par exemple, Pena N suivi, Pena N. Comment dire? Tu peux un encouragement. Tu peux un encouragement. Donc, tu vas te produire un CD comme ça, il va coûter 300 000 roupies. Donc, pour te retirer 300 000 roupies, il faut te pour. Donc, mais un paquet de gens ne comprennent pas ça, qui va nous faire investir là, nous. Nous pouvons payer 300 000 euros, puis casse ce que nous payons. Ou voir 400 000 euros aussi. Mais après, quand tout le monde le chemin en bas, il a fait mal. Il ne faut pas faire ça. Il faut être assez original. Et je pensais que le gouvernement aussi, il a donné un coup de main. Je suis souhaité je prends un peu plus en considération les revendications d'artistes. Alors, cet album l'appelle Frotte-Somomite. Qui fait Frotte-Somomite? Non, parce que la Réunion Marmite, c'est un symbole. Ça. Quand tu souviens la Réunion, un jour, tu vas trouver. Tout le monde que vous dans le jeu de marmite. Vous autres, quand vous faites un petit carré, par exemple, un petit carré boucanien ou bien ceci, et sa marmite a sonné, ting, ting, ting. Après, la madame dit aux autres comme ça, hé, t'as fini de manger là. Faut mon marmite, hein. Et il y a même des gens qui, on peut payer, hein. Nous, quand payer, par exemple, un monde, il a envie, faut marmite les autres, il prend 20 euros. Mais marmite, là, il y a une clé, il y a une propre, nickel. C'est un bon protéine marmite, il existe. Alors, Marcelino, quand on écoute tout cause même, on me sent tiki ou créole in un peu, comment dire, influencé parfois au cours de sa créole rayonnée là. Mais est-ce qu'au cours de Okoye, ça l'est encore une évolue à La Réunion musicalement là? Est-ce que Marcelino y écrit avant de se gars en créole rayonnée? Non. Celle-là, je n'ai pas encore fait du tout. Mais si il y en a pour centaines, par exemple, centaines de morceaux en rayonnée, je sens plus version originale que la personne qui l'écrit. Je sens plus, je ne peux pas interpréter jusqu'à maintenant. Je ne peux pas faire aucun morceau rayonnée. Mais tout en restant à La Réunion, je regarde toujours un respect énorme pour la musique, la culture réunionnaise. Vous avez l'occasion de collaborer avec un artiste réunionné, par contre? Il y a beaucoup d'artistes à La Réunion qui nous font ensemble. Il y a Olivier Bric, David Bric, avec Cliff Azor. Nous collaborons de temps en temps avec, comment ça s'appelle encore, là, Alice Gabriel. C'est un des gens qui tout le temps... Tout le temps, vous êtes là pour donner nous un coup de main, pour aller de l'avant. Donc, quand tu peux faire un travail, tu peux viser un coup de main sur tes téléphones, pour téléphoner par exemple, pour téléphoner mon camarade Clivazo, pour demander lui, écoute un coup, c'est pas ça, moi, c'est là, comment tu te dis? Il demande un coup de main, pour faire ça. Pour téléphoner mon camarade David Luisin, pareil, il me dit par exemple, il y a un morceau, tu peux sortir là, écoute un coup, c'est pas ça. Et je demande une facilité, comment est-ce que vous voyez? Comme nous pouvons collaboration, est-ce qu'il y a un projet avec vos enfants pour s'entendre avec Ban là? On a déjà fait un album qui s'appelle Sega en famille. Alors l'album là, il est sorti à La Réunion, pas Maurice, hein, à La Réunion, quand tu es dans Avel qui est batterie, tu es dans Mélodie, tu prends des morceaux, Olivier Bric qui prend des morceaux, David Bric qui prend des morceaux, moi-même, on prend des morceaux. Donc ça s'appelle Sega en famille. Ouais, mais il est bien marché. La chanson qui est forte de Marcelino, qui a encore tourné en cause dans beaucoup de fêtes de Mariage Maurice, c'est Contemplanté, sorti en 1995. Quelle source d'inspiration tu as pour faire ce mot-là? Contemplanté,
c'est un coup de sens, hein, c'est un cadeau qui tombe du ciel. Parce qu'un jour, je me rappelle, à l'époque, je me suis dit, t'as rien, hein. À l'époque, Gérard, lui, demain comme ça, bon, si jamais tu es intéressé pour moi accompagner toi, tu as besoin de diamant et nous contacter ton producteur, nous faire une accompagnement à la réunion. Mais après, là, mon téléphone, mon producteur, mon dit comme ça, bon, pour faire un album, mon fini de travailler des titres, tu vas nous faire tout. Il dit, mais quel jeu va prendre? Mon dit, bon, moi, je prends le groupe Cassia. Il dit, tu es fou, quoi. Je me dis non, t'es dans la foule là. Parce que beaucoup de Cassia est en vogue. Séparation fait que sorti. Après, séparation vient de Marlène par d'ailleurs en 93-94. En 95, nous allons à la réunion du tout avec Cassia. Nous allons ensemble. Et Gérard, Bruno, Alain Lafleur, Alain Ramanisson, Désiré. Et nous allons faire beaucoup de temps planté. Depuis mes enfants, moi bien content qu'ils tivent la terre. Moi bien content qu'ils tivent un jour pour me gagner. Ça fait moins plaisir quand m'attrape mon pio sous la mot la main. Moi content c'est mon la grimpe pour moi pas miser à carie. Moi content planté, ah oui, moi content planté. Moi content planté qu'ils tivent un jour pour me gagner. Moi content planté, ah oui, moi content planté. Comme ça, me connais ma famille, mes amis, pour miser à carie. Merci. Alors, qui plus bon souvenir au gardé de sa 40 ans de carrière? Mais comme je dis, il y a beaucoup de souvenirs parce que mon gars a plusieurs musiciens qui l'accompagnent moi. C'est-à-dire, mon joue avec Gérard en 95, en 93, je fais un album avec le groupe Wind Blows qui s'appelle Retour Festin. En 90, je fais un 45 tours, un 33 tours avec un CD avec Marc-Lan Antoine. Après, en 2004, 2008, 2009, on fait un CD avec Zotsa. Donc, c'est-à-dire qu'on compte tous ça, man, ténor de la musique là. Ça va là, vous n'avez pas d'abandonner. Moi, je vous donne la chance pour continuer, est vrai, pour la musique. Est-ce qu'il y a un message pour tout le monde qui nous soutenait ou tout son groupe? Oui, des autres comme ça qui continuent, faire ma confiance. Moi, toujours la même, même si moi, à côté, à 230 km, mais moi, toujours là. Moi, toujours, il y a une appréhension qui s'égare pas pour moi. Et continuer danser, là, nous s'égare. Et moi, je dis à des gens comme ça qui peuvent l'émission. Continuez à regarder l'émission sur la MBC. Et toi, ouhou,
c'est la N31. C'est le marché maritime, qui est bien plus capable de faire non. Ici, si man, moi, si ma vous capable de faire les plaisirs. Quand même, papa, c'est même qui nous vive sous sol. Et là, ma voisine, à cause de la N31. C'est le marché maritime, qui est bien plus capable de faire non. C'était moi, c'est Ilou Sato, et puis nous avons dans ce bar, vous avez découvert ce courrier, ce parcours, à quel point il est enrichissant, comment tu commences, quand il est arrivé aujourd'hui, hein, qui est très riche. Alors, moi, j'espère que tu passes un très bon moment avec nous. Reste avec nous, on résonne la semaine prochaine pour un autre épisode de Gloire dans le temps. Au revoir. Comme ça, nous connaissons nos familles, avec vous, ici, à la réplique.